Alors, je vais vous faire un tour qui s'appelle Bamo. Ça se fait avec un jeu de cartes. Je vais, avant tout, avant de faire le tour, prendre les 4 rois, okay, de ce jeu. En fait, ce sont 4 rois magiques. Je vais vous expliquer. Je vais mélanger le jeu face en haut et face en bas. Alors, on va prendre à peu près. Allez, en gros, à peu près la moitié du jeu, comme ça, que je vais retourner une partie face en arrière, une partie face en bas, et je vais mélanger. Voilà. Tout ça, de façon à mélanger toutes les cartes. Ah ouais, allez, on va continuer. Hop. Voilà. Je pense que ça suffira. Oui, c'est bon? Ou on continue? C'est bon. C'est bon? Super. Je vais maintenant prendre les rois et les mettre séparés dans le jeu. Ok? Et en plus, pour bien finir, on va continuer à mélanger tout ça. C'est ok? Super. Bien. Maintenant, ça va être très 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 simple. Le jeu mélangé. Ok, est-ce que, je sais pas si on arrive à voir. Ok, super. Alors maintenant, Thierry, tu me donnes combien de temps pour remettre toutes les cartes dans l'ordre? Ça veut dire quoi dans l'ordre? Ben, c'est-à-dire remettre toutes les cartes qui sont toutes mélangées face en l'air et face en bas. Comme ça. Toute face en l'air ou Toutes face en face en bas? l'air. Toute face en l'air. Combien de temps? Une seconde, t'es Combien? capable? Une? Oui. On va essayer. Juste comme ça. Juste en claquant une fois des doigts. J'ai remis tout le jeu dans l'ordre, sauf 4 cartes. Une, deux, trois et quatre. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je dis toutes les cartes dans l'ordre, c'est toutes les cartes dans l'ordre. C'est-à-dire les as, les deux, les trois, les quatre, les cinq, les six, les sept, les huit, les neuf, les dix, valets et dames. Toutes dans l'ordre, sauf 4 cartes. Et 4-3. Il n'y a pas de roughing fluide. Non, il faut toucher. Étonnant, non? Et bien ça, c'était la démonstration de Bamo.